Hello les Bashers, c'est Vince des Bashers Brothers, on est toujours le matin et on se retrouve pour le deuxième unbox d'un bro de la chaîne, Jordan. Enfin, d'un bro ou d'une sister, je sais pas en fait, parce que c'est Jordan avec un E. Donc je sais pas si c'est un garçon ou une fille. En tout cas, si c'est une fille, c'est cool parce que c'est bien que les filles fassent la RC. Si c'est un gars, bah, c'est cool aussi. En tout cas, c'est un bro 6 Jordan qui nous a fait parvenir un colis, qui m'avait envoyé un mail. Concernant des supports qui bricolaient aussi chez lui. Et il m'a demandé si ça m'intéressait de recevoir et tout. Donc je lui ai dit, bah écoute, vas-y, on voit. Et puis comme ça, on regarde ce que ça donne, quoi. Donc j'ai été le chercher hier. Je savais pas que c'était ça. J'ai eu un colis qui était arrivé sans vraiment de. Je savais pas d'où ça venait. Donc voilà. Donc le seul truc que je sais, c'est que ça pèse un âne mort. Donc voilà. Donc, je me rassois parce que sinon, hop, on va pas voir le colis. Donc, encore un gros big up à Jordan qui m'a fait parvenir ce petit paquet. Enfin, ce petit paquet. Qui m'a fait venir ce paquet. C'est cool. Gros big up à lui. D'ailleurs, je crois que maintenant j'ai ton adresse. Donc, j'ai un deuxième envoi de stickers de la chaîne que je te ferai parvenir du coup. Donc il m'a dit que, enfin, je sais que c'est aussi des supports pour RC. Bon, alors on a du carton. Alors ça je garde, c'est les petits mots de Mika. On a un mot. Ah, voilà, Jordan lui il écrit avec un stylo. Regarde, ça c'est un feignant qui tape à l'ordi, ça c'est un gars, il prend son stylo. Salut Vince, comme convenu, je t'envoie quelques supports RC à tester. Je t'envoie 4 tailles différentes pour plusieurs véhicules, du 1,5 au 1,10. J'ai fait des essais peinture pour montrer les possibilités de custom, ainsi que des petites options mousse, aimant, trou, etc. Merci beaucoup de tester, c'est super cool, à plus et merci encore Jordan. Bah, merci à toi Jordan, surtout à toi. Donc il y a du polystyrène. De partout, ça après le chat il va jouer avec. Putain, tu fais super bien le chat. Merci. Donc ici on a une première enveloppe. Enfin, je vais tout verser là parce que. Alors il nous a mis quoi, Jordan? Après je rentre dans le vif du sujet parce que ça pèse vraiment lourd. Il nous a mis plein de types. Ah bah ça c'est cool ça. Plein de mousse. En fait. Un peu compact qui sont double facées, donc ça c'est cool. Des petits picots aussi qui sont enfin des petits picots, des petites cales aussi plastique double face. Donc il y en a une chier, hein, il y en a plein. Hein. Il y en a des grands, il y en a des longs, il y a des petits, il y a des ronds, il y a des petits ronds, il y a des gros ronds. Une expérience irremplaçable. Il y a des ronds blancs, il y a des ronds gris, donc il y a plein de trucs et tout est double facette, donc ça c'est vraiment cool. Parce que du coup sur les supports, je pense qu'on peut les mettre pour éviter d'abîmer les châssis. Donc ça c'est top. Donc il nous a filé une enveloppe plein de trucs comme ça. Donc franchement, merci à toi. C'est toujours le genre de truc qu'on n'a jamais chez soi. Et qu'on se dit toujours, ah si seulement j'avais des trucs comme ça, j'aurais bien pu en mettre. Parce que même en dessous, ne serait-ce que. Pour les supports voiture, c'est une chose. Mais il y a aussi, moi je sais que ce que je déteste, c'est quand le moteur frotte sur les châssis, ça les abîme. Donc tu vois, si tu mets ce genre de petit pad en dessous du moteur, tu vois, du coup ton châssis il reste nickel quoi. Et à chaque fois j'y pense, mais j'en ai pas. Donc c'est cool. Là, on a encore une deuxième enveloppe. Hop, mets ça là. Hop, il nous a, bah, c'est cool, merci. Il nous a mis du, ah c'est de l'aimant quoi. Ah putain, ouais, c'est du double facé aimanté. C'est un rouleau de double face aimanté. Ça c'est bien ça. Ça aussi j'ai jamais eu ça, ce genre de truc. Ah excellent. Et du coup, il nous a fait une découpe aussi aimantée. Basher Brothers. Donc je pense qu'à mon avis, vu que c'est aimanté, ça doit se custom sur les supports qu'il nous a fait parvenir. Donc ça c'est cool. Top. Grand merci Jordan.
Et donc, alors là, putain la vache, la taille des trucs, quoi. Donc, on a, j'enlève un peu la poussière. Attends, je vais prendre un chiffon. Je prends un chiffon, là. Hop. Il y a plein de nounous dessus. Ça, ça sera mieux. Hop, tiens, je venais de passer le balai. Hop là. Donc, on a un premier support. Brovins bleu Volkswagen. Oui, bleu Volkswagen. Donc, c'est des supports. Alors, je pense que c'est de la tôle qui est complètement pliée. Alors, je sais pas comment c'est peint. Il faudrait que tu nous dises en commentaire et explique-nous comment tu réalises tes supports. Donc, c'est sérieux, ça pèse, ça fait bien. Bon kilo, quoi. Kilo 5 même, tu vois. Donc un bon gros support. Ah, et ça c'est clair mec, ça bouge jamais quoi. Là si je reprends, tu vois, le X. Si je reprends le X Max. Alors lui il a un châssis à la con. Mais les gars ça bouge pas. Hein. Ça c'est topissime ça. Donc ouais n'hésite pas. Attends je vais mettre. Prends mon chien. Sur le transpire du Seigneur. Ouais, Jordan, explique-nous comment tu réalises tes trucs. Donc, et donc, du coup, je suppose que ça, c'est aimanté. Vous pouvez aimanter vos trucs. Pacheur. Avec la touffe de Mika. Bah non, là, c'est écrit à l'envers. Je suis con. Donc, tu peux claquer des aimants. Tu peux. Ça doit se coller dessus aussi, du coup. C'est pas aimanté ça par contre. Je vous ai dit une connerie. Donc vous avez un bleu comme ça. Ah ouais, quand il m'a dit je t'en envoie quelques-uns, moi je m'entendais un ou deux quoi. Alors celui-là c'est une autre version. Enfin c'est le même format, mais avec un peu de custom dessus. Donc on a un brut de pomme. J'aime bien ce qui. Du coup, il donne des noms à ses supports. Un brut de pomme. Donc, brut. Donc, vraiment, la tôle. Dans son état le plus simple. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il a percé. En fait, il a fait 4 trous. Donc, ce qui peut être pratique pour quand vous faites vos amortisseurs. Vos amortisseurs. Donc, là. Alors, je vais juste descendre. Comme ça, vous allez les voir en même temps. Je les pose. Donc ça c'est la goupille à Mika. Donc vous avez le bleu, vous avez le brut, le bleu, le bleu, la bleu, le bleu, la brute et le truand. Ok, je sors. Ensuite, vache, combien il en a fait? Ah attends, c'est ça. C'est grand, il s'est fait chier à emballer ça correctement et tout quoi. J'aime les nounous. Là on est sur un vert. Un verre, ah oui, c'est un peu iridescent, c'est un verre avec des reflets à la lumière, il change un peu comme ça. Donc vous avez le verre. Également, vous voyez bien là, la nuance à la lumière. Donc là, c'est. Alors, c'est pas tout à fait le même format si je les mets côte à côte. Donc là, il est un peu plus long. En termes de hauteur, on est bon, on est pareil, mais vous, il est un tout petit peu plus court. Celui-là. Est identique, peut-être un peu plus large. J'ai du mal à tous vous les montrer. Donc là, vous avez les deux formats haut. Ah, il y en a encore. Ah, je son petit tour. Nous. Ça, c'est quoi comme nom alors? Oh. Orange rouille. Donc là, voilà, vous avez l'effet rouille, comme ça. Donc franchement, je suis assez curieux de savoir comment tu fais ce truc. Enfin, comment on explique, nous, hein, n'hésite pas à revenir dans les commentaires. Il y a sûrement des gens que ça peut intéresser aussi. Donc voilà, donc là, c'est un format qui est toujours à la même taille, mais qui est plus court. Donc là, je pense que oui, exactement, pour une petite indice, ça serait vraiment nickel. Tu vois, il a vraiment un super effet. Franchement, ça serait avec un petit rat rôde là, un peu un trophy là, comme ils ont là, ce serait assez cool. Il est beau, il est vraiment beau celui-là.
Il y en a encore un. Et le gagnant est le 65. Là, mon chat, il va kiffer tout le carton G, là. Qu'est-ce qu'on veut ? Oula, qu'est-ce que c'est ça ? Ah, oh, wesh. Alors, ça aussi, on fait déjà ça. Donc là, on est sur un éclair bleu. Ah oui ! Oh putain, mais comment t'as fait ça, mec ? Alors, je sais pas si ça va marcher à la cam, mais vous voyez ? Regardez. Oh, on a l'impression que ça va... Vous voyez les effets ? Un truc de ouf, quoi. C'est une dinguerie. Il y a vraiment, vous avez vraiment l'impression qu'il y a des éclairs qui passent avec la lumière et tout. C'est vraiment bien foutu, quoi. Sur les côtés aussi. Donc là, c'est... Ah, par contre, celui-là, il est un peu plus petit. Donc, il est plus... c'est la même gamme que... C'est la même largeur que le vert, mais plus bas. Donc là aussi, même pour une indice, c'est nickel, quoi. Franchement, gars, t'as trop assuré, Jordan. C'est un fou. Non. C'est bon. Et là il m'a mis avec, donc ça j'ai pas vu parce que c'était collé dessus. Putain, je vais avoir des trucs blancs partout. Des aimants très puissants. Donc deux aimants méga puissants. Mais vraiment puissants, quoi. Donc ça, c'est cool, parce que vous pouvez taper les aimants sur les côtés, bam, 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 quand vous êtes en train de bricoler, par exemple. Tu colles tes aimants, tu bricoles, tu dis, ah tiens, j'ai mon embout de visseuse, tac, 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 tu poses dessus, tu mets, claques tes vis, tu claques tes rondelles, tu claques tes trucs. C'est vraiment pas con. C'est vraiment pas con. Bon, en tout cas, un grand merci, Jordan, franchement, donc n'hésite pas en commentaire à nous expliquer comment tu réalises tout ça, parce que voilà. Et puis si jamais, mets un mail, si t'as des gens qui sont intéressés par tes supports, si jamais vous êtes intéressé parce que vous êtes en manque de support et que vous voulez un truc un peu vraiment costaud, parce que là, si je prends ma petite cartaine, voilà, sur le bleu éclair, hop là, il est parfait, quoi, tu vois. Alors c'est vrai que, tu vois, bon, après c'est aussi le carbone qui fait ça, mais... Je vais vous faire un custom direct. Hop, customisation. Là, je dirais qu'on va mettre... Ah, on va faire ça. Parce que l'éclair, ça me ferait chier de mettre un gros pad comme ça dessus. Mais on va mettre les petits, là. Regardez, on prend deux petits pads, là. Pas des EHPAD. Hein. Et alors, tu prends... T'en mets un. Voilà. T'en mets un là. Attends, j'enlève juste l'autocollant. Hein. Pas que je les aime pas, mais. Le bleu éclair Volkswagen. T'as su, il est vraiment beau. Franchement, gars, je sais pas comment tu fais ça. Je serais curieux de savoir. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez de ces supports et tout. Puis à encourager ce genre. D'initiative aussi, c'est vraiment top, quoi. Et là, tu mets ton châssis et il bouge plus. Alors là, j'ai un support qui est dans le vide parce que là, mon châssis il est trop ici. Hein. Mais si tu le mets là, nickel. Là, tu peux taffer tranquille. Franchement, Jordan, t'as trop assuré. T'as trop assuré, mon gars. Ou ma meuf. Monsieur dame. Monsieur dame, vous avez trop assuré. Donc, franchement, c'est vraiment parfait, quoi. Donc ça, que ce soit les grands qui vont sur les X-Max, des comme ça, ou des Kratons, ou des gros véhicules MT, sur des plus petits comme ça, et en tout cas, en plus, ça présente super bien, quoi. Parce que franchement, vous voyez, c'est dur à vous montrer à la caméra. Vous voyez les détails là-dedans, avec les petits éclairs et tout, c'est super joli, quoi. Franchement, si Jordan, je dois dire, mes préférés, c'est le bleu éclair. Bleu éclair, je trouve qu'il défonce. Franchement, à tester si t'arrives à le faire en black, tu sais, un peu en tracite comme ça, ça peut être magnifique. Et le rouille, il est super beau aussi, quoi. Franchement, celui-là, il est vraiment joli. Pour ceux qui ont, tu sais, des intérieurs, tu sais, parce que bon, moi, je suis dans une cave, tu vois, mais ceux qui bossent chez eux, et qui veulent des petits supports un peu jolis et tout, franchement, j'ai envie de dire, gros big up à Jordan. Je veux que tout le monde fasse big up Jordan! Parce que là, t'as trop assuré, mon gars. Franchement, c'est du super taf. Après, franchement, ça, ouais, c'est vrai que ça pèse super lourd, quoi.
ça pèse hyper lourd. Mais c'est top. Franchement, la finition, c'est super bien fait. C'est pas tranchant. Non, non, c'est après en amélioration. J'ai pas grand chose à te dire. Si, parce que attends, j'en avais vu un aussi que t'avais mis. C'était où? Ah oui, là, t'avais mis des petits pattes, ouais, voilà. Je pense que ça, c'est une bonne chose aussi, de mettre des petits patins en dessous. En dessous des supports, mais pour pas marquer. Mais sinon, c'est nickel. Franchement, gros big up. Donc, n'hésitez pas. Déjà, Jordan, toi, n'hésite pas à nous expliquer. Ils ont point. À nous expliquer bah, comment t'as fait ce truc, tout ça. Surtout tes custom de peinture. Si vous voulez rentrer en contact et ben du coup avec Jordan, n'hésitez pas à lui demander bah, ce genre de petit support. C'est toujours cool d'avoir des gens qui bricolent et qui font qui partagent leur bah, leur taf quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis surtout un super taf comme ça quoi, c'est vraiment joli. Je sais qu'il m'en avait montré par mail où il avait mis des logos Arma et tout, et c'est vrai que. Bah, je sais pas, moi j'en ai pas. Qu'est-ce que j'ai ici comme stickers? J'ai des stickers de la chaîne, je suis con. Le mec il a des stickers de la chaîne, il est. Qu'est-ce que j'ai comme stickers? Je prends un exemple. Merde, je suis assis à l'envers. Je prends un exemple simple. Je vais regarder en taille. Ouais, celui-là. Ouais, celui-là. Celui-là est un peu grand. Ah, mais il rentre. Tu vois, on prend le blanc. On prend le Basher Brothers blanc. Bam. Faut que je revoie mes stickers parce que celui-là, il part en couille. En fait, la partie entre le R et le O, elle est tellement fine que... Voilà. Et vous avez votre petit support peu custom joli, quoi. Donc voilà. Donc franchement, encore un gros big up à toi, Jordan, pour le taf. N'hésite pas, donc voilà, à venir vers nous en commentaire, à partager et tout. Et puis voilà. Et puis franchement, j'espère qu'il y ait des gens te demanderont de petits supports parce que c'est malin. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que ça te permet surtout de customiser comme tu veux en fait. Vraiment, que ce soit les trous, que ce soit les aimants. Enfin, tu peux aller encore même plus loin à ce que tu puisses limite mettre, tu vois, des petits. Je vais dire une connerie, hein, tu vois, mais qu'ici tu puisses remonter un peu et refaire comme un petit bac où tu mets tes vis, où tu mets tes affaires quand t'es en train de démonter, tu vois, tes petits. Toi, des genres de petits bacs, quoi. Mais franchement, c'est topissime. Topissime. Donc voilà, les gars, si je voulais vous partager ça. Je voulais montrer aussi, bah voilà, vous partager le travail de Jordan. Je vais tester tout ça. Je pense que je vais aussi enfiler au frangin. Qui teste aussi ça sur ses machines. Et voilà. Et en tout cas, un grand merci à toi, Jordan. Un gros big up. Et comme je vous dis d'habitude, n'hésitez pas à en mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On n'oublie pas la page Facebook, le groupe Facebook, allez-y. Le Discord également, même si sur Discord je suis moins présent. Et sur ce, les gars, je dis prenez soin de vous. Et bien sûr, à plus dans le bash. Ciao, les gars.